Sacha qui évolue pour la deuxième fois, ça y est, on va enfin voir sa forme finale. Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière évolution de notre petit chat? Matourgeon, ouais Matourgeon, j'ai jamais appelé Matourgeon je crois, mais j'espère que sa dernière évolution, son dernier nom, est très stylé, très badass, et que je l'appellerai tout le temps comme ça. Parce qu'on va pas continuer à l'appeler le pouce à chat le pauvre. Wouh, j'ai plus de voix. Allez. Oula! Missacarade? 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 Pokémon magicien de type plante et ténèbres. Ça y est, il prend enfin son deuxième type. Il déroule habilement l'attention de ses ennemis. Il détourne habilement l'attention de ses ennemis et disperse. J'arrive pas à le lire. Voilà. Et des bonbonnes de floral bourrées de pollen qu'il fait ensuite exploser. Il est choupinou. C'est un chat magicien. Pam pam pam. Magie florale. Qu'est-ce donc que magie florale? Vas-y. Ça va être une attaque incroyable, j'espère. Le lanceur attaque en jetant un bouquet de fleurs piégées sur la cible, n'échoue jamais et inflige toujours un coup critique. Mais n'échoue jamais et inflige toujours un coup critique? C'est du physique en 70. Ah, c'est moins fort que... Canon graine. Et c'est en physique. Ben on va te mettre ça à la place de déguisage. Vas-y. Hey, il est choupinon. J'avoue, ça fait vraiment masque de magicien sur sa tête. Hein. Clairement. Bah écoutez, moi je l'aime bien. Hein. Ça va, il est mignon. Et d'ailleurs, il y a une petite fleur qui vole autour de lui. Et ben voilà, notre petit chat a évolué. Je vais pas retenir son nom avant un petit bout de temps, mais c'est pas grave. Notre pouce à chat a enfin sa forme finale. C'est fini, il évoluera plus. C'est un peu triste, hein? Moi j'aime bien avoir les Pokémon qui évoluent. Quand ils évoluent plus, ben ils évoluent plus. Enfin, mignon quand ils évoluent. Allez, un petit soin. Mais c'est Charles Bambin que j'aimerais bien qu'il évolue, lui. Mais il va pas évoluer, lui. Il va être modifié pour évoluer. Hein. Allez, on continue notre route. On va voir s'il n'y a pas quelques... Non, lui, on le connaît déjà, je crois. C'est pas un nouveau, je crois pas. Oh, bah ça, c'est notre petit... Oh, des panneaux. Des panneaux. Quoi? Il y a des pyrolis qui se baladent dans le coin? Attendez, c'est où la ville qu'il indique, là? Non, là, j'ai un peu trop dézoomé. Ça me parle pas, ça. Toi, je te connais pas, toi.
forge là? On se connaît pas, toi? C'est super efficace. Bah, pour un truc qui est super efficace, ça fait pas hyper mal. Bah, essayer l'hommage. Ah, ça c'était une attaque de type normal, c'est ça? Ok, on va refaire un deuxième hommage. On va essayer de capturer cette petite chose rose avec un espèce de... Ça fait un style, un gros marteau quand même. Ou une grosse hache, je sais pas. En tout cas, on va capturer cette petite chose rose. Du moins, on va essayer. C'est capturé, c'est bon. Forge-la. Et il y a tout le monde qui level up. Pokémon marteau. Fait acier. Ce Pokémon vit dans des tas de ferrailles. Pour tester la force de ses matériaux, il les cogne contre ceux de ses congénères. Ok. On va l'envoyer dans une boîte PC. Potentiellement deux évolutions. Toi non plus, je te connais pas. Non, j'ai tiré à côté. Toi, t'es moche par contre. Scovilin? C'est ça son nom? C'est Scovilin? J'ai pas vu. Ouais. Fais-moi un autre hommage. On a plein de nouveaux Pokémon! On arrive un petit peu dans une nouvelle zone, plein de nouveaux Pokémon, ça fait plaisir. Ouais, t'attaques combien de fois toi? Stop hein! Allez, on capture! Même si ce truc est très bizarre, mais on capture! C'est nouveau, moi je capture! Bah lui, je crois pas qu'il va rentrer dans la team. Il est quand même un peu moche. Ah ouais, tu vas prendre une nouvelle capacité. Oui, mais moi j'aurais préféré que t'aies voulu quand même. Mais t'as pas l'air de vouloir. Ouh, par contre, puissance 80, des flammes s'abattent sur tous les Pokémon autour du lanceur, ce qui peut aussi les brûler. 80 en puissance en spécial. Bon, on va te mettre ça à la place de calcination. Vas-y. Ah, il est type plante feu, d'accord, ouais, une tête plante, une tête feu. Sa tête verte est agressive à cause des substances épicées qui stimulent son cerveau. Quand elle s'énerve, rien ne peut l'arrêter. Ok. Non, on va pas lui donner un surnom. Il pourrait peut-être avoir une évolution intéressante, lui, mais là, j'avoue qu'il est un peu bizarre. Un peu beaucoup bizarre. Oh, c'est l'évolution de Pinot Hommage à Chose, là. C'est une évolution. Alors, je me fais agresser, certes. Mais sinon, on va affronter lui en... En duel, non? Est-ce que tu veux te battre contre moi? Tu veux te battre contre moi? Allez, viens te battre contre moi. Attendez, c'est un Tauros? Pourquoi il a cette tête-là, ce Tauros? On est d'accord que le Tauros que j'avais, il avait pas du tout cette tête-là?
mais il y a un mystère autour des tauros, je crois. Qui c'est qui saute très efficace, super efficace avec une... Vas-y, on va envoyer Pompot. Il est différent des autres tauros. Ah la vache! Mais dis donc, c'est qu'il fait mal en plus! Il va pas arriver à le placer son plongée, mon petit dauphin. Il va pas arriver à le placer. Il est quel level? Il est 36? Il est 36! Essaye de me faire une plongée! Vas-y, plonge, plonge, plonge! Pourquoi il attaque? Oh, il est super! C'est un type feu? Quoi? Quoi? Je comprends rien avec ce taureau. Ce taureau, c'est très bizarre. Ok, c'est super efficace, ça lui fait zéro dégâts. Ça fait plaisir! Moi, j'aime beaucoup quand les trucs sont super efficaces et que ça fait pas de dégâts. Allez, plonge mon petit dauphin, plonge, plonge. Faut te cacher. Parce que il est pas commode lui. Hein. Ah non, là tu vas mourir. Désolé. Il a fait de son mieux. Ouais, cher maman, il va juste se faire arracher. On va voir, il a pris en puissance normalement vu qu'il a évolué. Bah déjà, il est plus rapide, c'est déjà bien. Est-ce que toi, tu l'encaisses? Tu l'encaisses pas, cette attaque. Cette attaque, il y a personne qui l'encaisse, hein. Parfait, il fait une grimace, je vais pouvoir l'achever. Sauf s'il est devenu plus rapide. Mais ça passe. Eh ben, il est devenu plus rapide. Ah, il abuse ce tauros. Allez, bugue au chien, je compte sur toi pour l'achever. C'est un tauros vraiment... J'aurais peut-être dû le garder dans ma team, en fait, le tauros. Hein. Je suis en train de me dire que... Qu'il est puissant, ce tauros. Non, peut-être tu le gardais, tauros. Pim, pim. Quoi? Oh non, mais non, mais non, mais non. Il y en a partout. Comment je fais pour les esquiver? Il y en a partout. Non, vas-y, fuis. Eh, hey, ils sont 37, hein. On va quand même voir à se diriger plutôt de l'autre côté, hein. Je sais pas où ça mène ce chemin, mais... Ils m'ont l'air d'être un peu violents par là. Ouais, je suis en train de me dire qu'on aurait peut-être dû garder Tauros dans la team. Ce qui m'a l'air d'être... plutôt intéressant comme Pokémon. Faudrait que je les teste un petit peu tous, en vrai. Pour vraiment que j'arrive à me faire une team... À bientôt! Ouais, ouais. Bah d'accord, il y a des galames comme ça qui se promènent. C'est intéressant.
Bah nous, on va plutôt par là, du coup, direction le mont Napi. Excuse-moi, je veux juste récupérer ça. Ouais, va peut-être falloir commencer à réfléchir, à vraiment se faire une team intéressante. Bon, je regarde s'il n'y a pas un peu des nouveaux Pokémon, hein, bien sûr. Allez, toi, viens de battre. Ça va me permettre de voir un petit peu le level du coin. Vas-y, on va tester. 35, 35, ça va. C'est de mon level, ça, 35. Hey, coucou, Ankaz, comment ça va? Coup critique. Voilà! Ça, c'est des coups critiques bien placés. Pas sur des Pokémon sauvages que je veux capturer. Je veux pas de coups critiques. Oh non, on va pas changer de Pokémon. Ah, c'est un piou-piou! Très sympathique comme piou-piou. On va pas bien, la caméra, elle a un peu de mal. Bah moi ça va, je vois ça va, tranquillement. C'est pas... On peut tenter la morsure? Morsure ça fera peut-être plus de dégâts. Ah oh, bah c'est bon, il est KO. Il est KO! Bon sinon t'es level 35, ça va, c'est dans mon... C'est dans mes levels dans le coin. Ah, quand le terrain est un peu penché, la caméra elle a un peu de mal. Hein. Elle arrive pas à bien se caler, c'est tout tordu. C'est compliqué. Ok, alors moi je suis censée monter comment là? C'est pas la route pour aller... Non, la route elle serait là, elle est un peu plus loin. Par où qu'on est censé passer par contre? Faut que j'arrive à monter là dans les collines? Ou alors on peut passer par là? Attendez, on va mettre un drapeau dans le coin. Je pense qu'il faut passer par là. Oh, les Pokémon, c'est des Pokémon, hein. Excusez-moi. On n'a rien de nouveau. Ouais, par là on peut totalement passer. C'est des magnétis. On s'en fout. Il y a des ruines là-bas. On va voir. Toi, tu veux te battre? Il y a le Magnéti qui m'a agressé. Je me fais agresser par un Magnéti. Magic Talk. Ok, on va faire une morsure. Bah, on l'a pas, on va tenter de le capturer, hein, ton premier. Ok, il a la trouille, c'est parfait. Que demander de plus? J'ai plus d'hyperball. Faudrait peut-être que j'en rachète, hein. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Et ben voilà, c'est capturé. C'est lui qui m'a cherché, hein. Moi, je lui ai rien demandé à ce Magnéti. Je voulais parler au monsieur. Électricassier. Électricassier. Allez, boîte PC. Non, t'es gentil, mais tu m'intéresses pas, Magnéti.
Désolée de te décevoir. Pam, 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 pam. Aïe, montre-moi un peu ce que t'as. Montre-moi tes levels. Karatéka. Karatéka. Ok, niveau 35, ça va, on est plus que dans les... On est dans nos levels. Donc c'est bon. Voilà, là c'est bien de faire un coup critique. Aïe! Ça fait mal! Ça fait très mal! Et violence. Ouais. On va prendre notre petit chien décédé. Ouais, l'attaque spéciale augmente, mais bon, ça devrait pas être un vrai problème. Vu qu'il est KO. Pam 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 pam. Bah ouais, bah bro, bro. Aha! Ça, c'est un Pokémon un peu particulier. Hein. Un hypnomade! Un hypnomade! Bon, on va le combattre, hein. Par contre, j'en avais déjà capturé un comme ça, on va pas le recapturer. Vous croyez qu'il faut le recapturer? Vous croyez qu'il faut tous les capturer? Je sais pas, ils sont un peu bizarres ces Pokémon. Bon, bah il est KO. Voilà. Il m'a donné 50 pièces. Je sais pas à quoi elles servent ces pièces. Elles doivent bien servir à quelque chose. Ça, je récupère. Par contre, il y a un truc là-haut. Ok, va falloir arriver à monter. Ok. Guérison, je prends. Un vrai jeu sans fond. Trop facile. Trop facile de monter. Ah, il y a des trucs là-haut aussi. Là, je peux pas y aller. Hein. Oh, quoique... Ça passe! Ça passe! Je sais pas trop comment ça passe, mais ça passe. Sinon, la ville, elle est de quel côté, là? C'est plus par là que je vais. Techniquement, c'est plus par là que je vais. Donc, c'est par là? Bonjour, excusez-moi, je passe. Attendez, c'est quoi ça? Non, ça c'est celui qu'on a capturé tout à l'heure. Non, il n'y a rien de nouveau. On y va, on avance. Let's go. Non, ça on connaît aussi. Oh, un Pyroli! Ça, on peut pas le laisser partir. Ça se capture un Pyroli. Eh, franchement. Un Pyroli. Un Pyroli. Fais-lui mâchouiller. Fais danse flamme. Il est trop mignon, Pyroli. Ok, tu lui feras un deuxième mâchouille, mais pas trois. Hein. Va pas me le mettre KO, mon Pyroli. Par contre, ce serait bien qu'ils me mettent pas KO non plus. Oula! Doucement, 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 doucement. Pas trop fort. Ok. Ah, j'ai pas racheté d'hyper ball. Plein de super ball. Des hyper, ça serait pas mal aussi. Ok. Il va me le mettre KO. Évidemment qu'il me le met KO. Pyroli! T'abuses! Moi, je voulais être gentil avec toi. Bah, évidemment que j'envoie un autre Pokémon. On va envoyer Pompote.
Comme pote, tu tiens. Désolé, mais on peut plus l'attaquer, alors faut que tu résistes. Jusqu'à ce que j'arrive à le capturer. Sachant que j'ai plus que 4 Super Balls. Donc ce serait bien que tu te captures rapidement. Maintenant même. Pourquoi tu fais autant mal? On va y aller à l'Hyper Ball, tant pis. Tu m'obliges à utiliser une Hyper Ball! Je vais pas arriver à capturer ce Pyroli! Oui, j'envoie un autre Pokémon! Et le pire, c'est que je vais même pas m'en servir en plus de ce Pyroli, mais je le veux quand même, c'est un Pyroli! Ah, c'est terrible! Oh, des fois, une Pokéball, ça peut passer! Sur un malentendu. Allez! Non. Il veut pas, hein? Oh, brio chien, il a évité l'attaque! C'est le meilleur. Eh ben voilà! Ah bah ça t'a été compliqué, hein? Compliqué d'attraper Spiroli! Il m'a mis un peu trop de Pokémon KO. Oh. Mais non, on lui donne pas de surnom et il va à la boîte PC, mais c'est un Pyroli. Ah, merci pour le GG. C'est un Pyroli, on peut pas ne pas capturer un Pyroli. Non, par contre, m'agressez pas à tous, là. Parce que le Pyroli m'a un petit peu mis mal, hein. Centre Pokémon, je serais pas contre. Une Pyroli. Voilà. Pas se mentir. Oh, potion max. Ça, c'est beau. Non, oh, mais il y a un dresseur là qu'il faudrait que je tape. Totalement que je le tape, lui. Mais j'ai tout le monde qui est KO. Bon, brio chien, je compte sur toi. Atium. Atchoum! Miguel l'étudiant. Viens te battre, Miguel l'étudiant. Avec ton Arcanin. Magnifique Pokémon qui est Arcanin. Et qui est de type feu. Et t'as 3 Pokémon. Niveau 42! Eh, mais vous abusez! Vous abusez totalement! Je vais me faire arracher! J'ai la moitié de mes Pokémon qui sont morts! Et il a 3 Pokémon de level 42. Il va falloir Pex encore, non? Oh non. Il me dévine, il va m'arracher. Pas beaucoup plus de dégâts. Ou le bélier. Ça one shot! Ouais, il se blesse par le contre-coup, mais il me reste 2 Pokémon! Ah bah, mon petit dauphin, voyons, c'est un type feu arcanin, voyons! S'il a le temps d'attaquer, qu'il se fait pas. Frappe en priorité, vas-y! Moi un aquajet. Ok, c'est une attaque de type eau, il est de type feu et il a rien pris en dégâts. Le level 42 là, il fait mal, hein. Il a quand même ouais, il a plus de 10 levels de plus. Ça se ressent beaucoup. Continue à faire des gros yeux. Non, fais pas un bélier. Oh. Il va se mettre KO par contre avec le bélier, non? Mais bon, il y a encore 2 autres Pokémon derrière. Ouais, il est totalement KO par le bélier. Il s'est mis KO. Il s'est mis KO tout seul.
Bah, j'ai plus qu'un seul Pokémon et c'est pas forcément le plus puissant. Oui, d'accord. Bon, ben, ça va être un chaos. Hein. Un chaos pour moi. Hein. Pouvoir antique, vas-y. J'étais sûr que Charmander, il allait pas résister à ça. Ouais, bah oui, j'ai un problème et mes Pokémon sont vraiment faibles. Ou alors je me dirige toujours dans des endroits pas possibles au niveau pour moi. Oui, je me hâte vers un centre Pokémon. Je me hâte, je me hâte. Soigne mon équipe. Voilà, il va falloir que je passe un peu de temps pour pex, hein, que je pex pas assez. Hein. Et Charmander, il m'énerve en fait, parce que le problème, c'est qu'il n'évolue pas. Et tant qu'il n'évolue pas, c'est un vrai problème. Je me demande si je vais pas le remplacer. Hein. Parce que là, il est quand même relativement faible. Et j'ai trop de monotypes. Ça m'embête aussi. Peut-être falloir que je pense à remanier un peu mon équipe, hein. Ouais, bah je vais peut-être y... Parce que le Tauros, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Hein. Franchement, il a l'air d'être plutôt puissant, Tauros. Il est de quel type, lui, déjà? Ah, il est combat. Il est combat. Ouais, le problème, c'est que j'ai déjà un autre combat. Combat qui n'a pas d'attaque de type combat aussi. Il faudrait peut-être que je voie aussi pour leur faire des... Leur mettre des CT et tout ça. Hein. C'est quand même un combat électrique, lui. Hein. Je sais pas s'il a une troisième évolution. C'était que sa deuxième, ça. Il faut être bien qu'il ait une troisième évolution. Lui, en vrai, il me fait marrer. Il est marrant. Normal poison. S'il pouvait évoluer, je pense qu'il serait pas mal. Faut être bien. Toi, t'es juste de type psy. Je l'aime bien aussi en vrai l'autruche là. Toi, t'es quoi déjà? Fais acier. Fais acier, ça voudrait dire remplacer brio-chien. Je peux avoir deux types fées. Le problème de brio-chien, c'est que c'est pareil, il a qu'un seul type, hein. On va peut-être voir à le remplacer, notre petit toutou. Parce que le fait d'avoir un seul type, c'est pas tip-top, hein. Ouais, je sais pas, je vais y réfléchir. Mais je pense que pour moi, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'est pas mal. Toi, t'es quel type? Acier poison. Oh, mais lui, il est moche quand même. Pas sûr d'avoir envie de ça dans mon équipe. Lui, il est juste de type glace. Ce qui est pas terrible non plus, hein. On va pas se mentir. Ouais, je pense que pour la prochaine fois, on va peut-être... Lui, je crois qu'on avait vu le Pokémon qu'on a affronté, là, l'oiseau. Je pense que c'était son évolution finale à lui. Électrique vol, c'est pas mal comme type, lui, hein. Mais bon, j'ai pas trop envie. Pompote, je l'aime bien. Hein. J'ai pas trop envie de le remplacer, surtout qu'il a un double type quand même. C'est l'un des rares qui a un double type dans notre team. Juste le type. J'ai trop de monotypes. Ma palette de types n'est pas assez large. Ça, c'est un problème. Et Charmander est un problème aussi. Il est de type feu?
uniquement feu, d'ailleurs. Encore un truc monotype. Mais ouais, s'il évolue pas, je pense que c'est un souci. Bah écoutez les amis, moi je vais réfléchir à ça. Et puis je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Puis on se retrouve très bientôt. Sur ce, en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi le live. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous fais des bisous. Je vous dis bonne fin de soirée. Et sur ce, à la prochaine. Bye bye!